Bonjour le gars, bienvenue sur la chaîne des prévisions météo pour l'île Maurice et la Réunion Madagascar et le rapport d'alerte sur le cyclone extrême Bélal. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et profitez en point Bélal, qui se transforme en cyclone, se renforce actuellement rapidement sous forme de dépression. Le centre de la tempête se situe à environ 600 km de Maurice et 700 km de la Réunion. Il va s'intensifier très rapidement et traverser l'île Maurice et la Réunion certainement. Il est nécessaire de prendre les précautions nécessaires. La vitesse du vent devrait être d'environ 150 km/h. Les prochains jours seront des jours de menaces très naturelles. Les risques de fortes pluies peuvent provoquer des inondations. Les précipitations devraient être modérées à fortes pour les prochaines 24 heures. Plus encore. Attention aux prochaines heures. Toutes les données informatiques montrent que le modèle GFS et le modèle ECMOF sont les plus touchés. Une augmentation des précipitations est attendue à partir de demain, surtout à partir de demain soir ou nuit. Un temps plus frais sera observé tant que la température sera convenable. Du 14 au 16 janvier, de fortes pluies et des dégâts causés par le vent sont probables. D'après le modèle du ECMOF, il devrait passer par Maurice, ce qui pourrait entraîner des dégâts supplémentaires. La plupart des régions est sud-est de l'île Maurice reçoivent beaucoup de pluie. Un temps nuageux peut être observé maintenant. Elle augmentera progressivement demain et après-demain avec de fortes pluies et des vents violents sur l'île Maurice et la Réunion. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connecté. Merci d'avoir regardé cette vidéo.